Allô tout le monde, en coulisses de la maison Enfant Soleil, signé Bonneville, qui nous rappelle que pour cette bonne cause, on est tous unis dans le même bain. Et question salle de bain, ben, c'est les gens de Mahax avec qui on s'entretient et particulièrement, je vais aller retrouver Louisanne Bourgeois à l'instant. Louisanne, bonjour. Bonjour Alain. Parle-nous donc de cette salle de bain au départ, de cette salle de bain principale. Oui, en fait, dans cette salle de bain principale, c'est vraiment le Finima qui est en vedette. Donc, on commence avec notre baignoire autoportante Tosca, Finima blanc, magnifique. Ensuite, au niveau de la douche, on a une porte de douche noire, une porte coulissante, qui est notre modèle Optan. Puis au niveau des murs de douche, ici, c'est vraiment à s'y méprendre. Mmh. C'est des murs qui imitent totalement de la tuile, sans les soucis de la tuile. Donc, on appelle nos murs U-Tile. Mmh. C'est vraiment un produit complètement révolutionnaire et génial. Et en plus, il y a une salle de bain pour les enfants qu'on va voir dans quelques instants. Et il y a autre chose à laquelle tu devras répondre dans quelques instants. C'est la question d'enfant et on écoute la question de Damien. Bonjour Alain. Si on prenait toute votre résine, qu'est-ce qu'on pourrait remplir? Merci. On va y répondre dans quelques instants, Louisanne. Mais là, parlons de la salle de bain pour enfants. Oui, en fait, la salle de bain pour enfants, cette fois-ci, on mise vraiment sur la fonctionnalité pour toute la famille. Donc, on commence avec un écran de baignoire, notre écran Edge Access, qui permet de se pivoter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la douche. Wow. Le magnifique bain nomade avec un fini lisse, facile à nettoyer, qui permet vraiment à toute la famille de profiter de cette salle de bain-là qui est magnifique. Ah oui. Et là, on va y aller avec la question pour enfants qui a été posée par Damien tantôt. Voici maintenant la question. Est-ce que Mme Max va répondre comme il faut? Si on prenait toute votre résine, qu'est-ce qu'on pourrait remplir? En fait, si on prenait toute notre résine, on pourrait remplir une piscine olympique. Et wow! Mais on n'irait pas se baigner dedans. Ça, c'est certain. Et, Louisanne, merci beaucoup. Votre implication est importante chez Max. C'est depuis 2008 que les employés s'impliquent, hein? Oui, en fait, depuis 2008, fier collaborateur d'Opération Enfant Soleil, Max, en tant que tel, on vit l'expérience, 50 ans d'expertise. Wow. Les produits sont faits localement, donc on en est extrêmement fiers. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup, encore une fois. Et la prochaine rencontre qu'on a ensemble, on parlera de décoration. Et je vais vous laisser avec la question d'enfant à laquelle nos amis d'IKEA devront répondre.